Les préservatifs réduisent les risques de grossesse et de MST s'ils sont bien utilisés. Paris, où est-ce que t'étais, nom de la personne qui règne sur le monde depuis le paradis? Ah, j'étais juste sorti. Oups. On en a déjà parlé, Barry. Ton travail d'éducation sexuelle viole tous les principes auxquels nous croyons. Mais tu comprends pas, Dieu est venu me voir et il m'a parlé dans un rêve. Barry, il faut que tu continues à enseigner l'éducation sexuelle. Mais Dieu, mon copain Arthur dit que le sexe, c'est pas Arthur bien. Arthur peut aller se faire foutre. Quelle est la chose la plus vilaine sur cette terre? L'avortement. Et qu'est-ce qui mène à l'avortement? La grossesse. Qu'est-ce qui empêche la grossesse? Ah mais ouais, les préservatifs, ça empêche la grossesse. Barry, être contre l'éducation sexuelle, c'est plus important que l'avortement. Quoi? J'en ai rien à battre s'il y a des milliards d'avortements. Ce qui me révolte le plus, c'est d'imaginer des adolescents en train de copuler. C'est quand nu et ferme qui se découvrent l'un l'autre avec le genre d'émoi et d'excitation que je ne ressentirai plus jamais de toute ma vie. Et même si j'essayais de retrouver une once de jeunesse avec une adolescente consentante, j'ai bien dit consentante, j'irais quand même en prison. Et tu sais ce qu'ils te font en prison, Barry? Tu connais le coup de la savonnette dans les douches? Ouais, bah moi je veux pas aller en prison. Il est hors de question, t'entends? Je veux pas revivre la révolte d'Africa. Non, Arthur! Sais-tu venir faire l'amour chez moi? Ok. Oh non! Je suis désolée, Jésus! Cette bande d'Américains massacre mes hommes comme... comme j'ai massacré les Juifs! Ils vous ont marqué! Carmine Führer! Faites-moi voir! Mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est censé être une croix gammée! Je crois qu'il fallait plutôt dessiner les clefs des crûles. Quelle bande d'attardés! Je vais mettre en place une équipe spéciale. Les nazis sont en train de se regrouper, de tuer et de stériliser tous les handicapés mentaux du monde. Chacun d'entre vous devra me rapporter 50 petits bonbons nazis. Et pas un de moins, est-ce que c'est clair? Oh my god, Leni Riefenstahl se laisse vraiment aller de nos jours. Ne restez pas là! Je sais que nous souhaitons les exterminer de la surface de la Terre, mais ils préfèrent le terme d'handicapé. Dis-moi où sont positionnés vos troupes. Avec tout le respect que je vous dois, je refuse de répondre. Donne-moi un bonbon. Avec tout le respect que je... Oh, je rêve que vous m'avez demandé un bonbon. Attendez, j'en ai peut-être... Tu as hésité. Envoyez-moi l'ours. Mon Dieu, vous m'avez fait peur. En fait, votre ours est un nounours qui fait des câlins. Et moi qui croyais que ce serait un vieil ours juif qui m'aurait... Tiens, qui sont ces charmants jeunes hommes qui vous accompagnent, Fräulein? Oh, ce sont tout simplement des amis, colonel Landa. Bonjour, nous, ravi de vous rencontrer. Oh, des Italiens. Venez par ici. Le film de ce soir s'intitule Radio avec Cuba Gooding Jr. Où est ma tarte? Tu veux de la tarte aux fraises ou de la tarte aux pommes? Maintenant, ça suffit, je ne supporterai pas plus longtemps cette saloperie. Éteignez-moi ce film immédiatement. Vous aussi, vous détestez ce personnage? Oh, du plus profond de mon cœur. Je suis d'accord avec vous, cher ami italien. Mango, on a réussi. Et dire que mon plan inutilement compliqué de tuer Hitler avec ce film a raté et qu'on a quand même réussi à s'en débarrasser. Tu as tué mon meilleur ami. C'est le signal, hein? Ce n'est pas nous qui avons donné des leçons à Radio, c'est Radio qui nous en a donné.